Salut à tous les gars, c'est Floly. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode 70 qui Skibidi Toilette. Mais juste avant tout ça, les gars, commencez, n'hésitez pas à liker, vous abonner. J'ai quelque chose à vous dire, les gars. Déjà, de 1, il y a un contenu Skibidi Toilette, un nouveau contenu Skibidi Toilette. Bon, c'est pas vraiment un nouveau contenu, mais il va y avoir une nouvelle vidéo Skibidi Toilette qui va arriver peut-être dans une ou deux semaines, à voir, peut-être trois, même un mois peut-être. C'est une vidéo qui va se porter sur une série, sur plein d'autres trucs. Alors, ce sera pas que du Skibidi Toilette, mais ce sera une vidéo assez spéciale. Franchement, je pense qu'elle va être très très bien, elle va intéresser beaucoup de monde. Je vois que en dehors du Skibidi Toilette, ma chaîne ne marche pas. Donc bah si quand même, mais vous avez compris, elle marche pas aussi bien qu'avec du Skibidi Toilette. Je change un petit peu tout ça. J'aime beaucoup Skibidi Toilette, mais je vais pas non plus rester que sur ça, même si je vais continuer à en faire jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Mais donc voilà. Aussi les gars, j'ai fait une vidéo Bloxfruit, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller la voir. C'est je trade j'ai trade mon portal PAM en 4 heures. Donc les gars, on va commencer avec cet épisode, les gars. Alors j'ai l'impression que en termes de stats, Defgloom il en perd un petit peu, c'est logique hein, les gars, parce que il spam ça, donc c'est normal. Il y a toujours des hauts et des bas. Là il y a un petit peu des bas. Quand je vois les shorts, les gars, en une semaine, les gars, en une semaine, il a même pas atteint le million. Alors qu'avant, les gars, en un jour, il atteignait le million de likes. On va commencer avec cet épisode qui fait 3 minutes 55, donc un des plus longs. Je vais mettre le son là, j'espère qu'on entendra le son. Et on entend le son, que c'est nickel. Donc là, on se retrouve sur la suite, les gars, de l'épisode dernier, ouais, quand il est arrivé dans le noir. C'est cool qu'il ait fait ça, au moins, on sait à peu près où on était. Et là, avec leur lumière, c'est vrai, les flashlights, oui, c'est vrai. Là où tu y a un truc où tu mets ça pour être quoi? Au Skibidi Toilette? J'ai l'impression qu'il a des bras quand même, hein. Il fera pas que sa tête. Ah voilà, ouais, c'était sûr, c'était des caméramans. Wow! Ah non, 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 en fait, c'était pas des caméramans. Ok, c'est qui lui? Oh, il est bien fait par contre. J'aime beaucoup son. Waouh, wow, il va exploser là. Ah, il s'est sacrifié avec? Eh, il y a moyen de se sacrifier. J'ai pas très bien vu, on reviendra après. Je pense qu'il s'est sacrifié avec. Franchement, oula. Spécial comme épisode, c'est sympa, ça change. Il court vers lui, là. Et quoi, ça va encore exploser? Ah, on retrouve enfin les pics qu'il avait sur les mains. À un moment, ah oui, les gars, il y a un problème avec les pics, là. Je les ai vus partir, là. Je pense qu'il peut les ranger, les pics, hein. Ah, il veut pas son aide. Oula, ils sont en guerre froide, ou... Non, le Pluggerman, c'est un baka ou quoi? Il est cringe. Ok, ils ont coupé la lumière et ils cherchent. Ok, bah, la vision, la night vision, bah oui, il est marqué en haut à droite. Ils sont dans la base. Et que la tête du. Bah, ça ne sert plus à rien. Ok, mais là, c'est encore. Une vidéo où ils s'infiltrent dans une base et ils vont voir 30 000 ce qui doit être différent, mais j'espère que ça va apporter à quelque chose. Je pense que oui. Là, ok, c'est intéressant. J'aime bien que les épisodes soient longs, ça dure comme ça, mais ok. Wow, c'est quoi? Oui, c'est quoi ce long truc? Il y a beaucoup de trucs. Hein. Oh, il y a beaucoup de lore là. Je pense qu'il y a beaucoup de lore. Ok, c'est une langue qu'on peut pas déchiffrer. On sait sûrement qu'on peut déchiffrer. Dafuk Boom! Oula! Oh, j'ai une petite théorie. Ok. Est-ce que. Les TV Mans. Oula, c'est spécial. Putain! C'est qui lui? Ok. C'est grave intéressant. Ah oui, les speakermans ne sont pas affectés parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Ou alors ils sont infectés quand même. Ben voilà, il n'y a plus d'écran. C'est hard quand même. Hein. Ils ont arraché les yeux complètement. Ah mais c'est le Silent! C'est celui qui avait tué le caméraman dans l'épisode où c'est la première fois qu'on voyait le... Je sais pas comment il s'appelle, le Skibidi Toilette avec la tête là, avec le corps de Pickerman. C'est lui, il est enfin de retour. Hein. Ok bon, ils ont perdu tous les caméramans, ils sont plus qu'à deux. Des armes. Il a pris le casque. Un casque, un. Oui, bah oui. Bizarre quand même. On est sur la fin de l'épisode, les gars. Toute la team est morte, hein, de leur côté. Il a pris un gros pic. Et là, je pense qu'on est sur la fin de l'épisode. Hein. Ouais, on est sur la fin. On entend des Skibidi Toilettes, donc est-ce qu'ils vont tuer le scientifique?
Les gars, c'est méga long. Je pense qu'il y a encore une suite à voir. On va pas re-regarder l'épisode, mais ouais, on va revenir sur des éléments intéressants. J'espère que la suite va être vraiment intéressante parce que c'est intéressant comme épisode. Mais voilà, c'est quand même chiant. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. On va revenir sur ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose à voir ici à part peut-être le Skibidi Toilette qui jette le caméraman qui s'est servi d'un corps de caméraman. Là, je veux juste revenir, je sais pas, les griffes. Elles sont assez bizarres parce que regardez, là on est. Ah ok, il y a une petite animation quand même. Ok, non. Alors on a la confirmation que les griffes peuvent revenir. Wolverine. Je sais pas si je prononce bien. Et puis là, ça ne nous intéresse pas vraiment les gars, pour en parler. Par contre, ils sont deux. Et pourquoi maintenant ils sont plus que un? Ok. Donc là. Ah oui, je pense qu'il y en a un qui s'est perdu. C'est le moment qui nous intéresse le plus. Là, j'essaie de comprendre pourquoi il passe de. Oui, ok. Oui, il va arriver par derrière. Les gars, par contre, il faut regarder. Alors c'est flou quand je le pose. Même pour moi, donc là, je vois pas. Là, il y a un couteau, si je ne me trompe pas, il y a une lance, il y a une tentacule géante. Alors, elle vient de qui cette tentacule, je ne sais pas. Il y a un bras, donc le bras du. Comment ça s'appelle? Du Titan Cameraman. On a une bique, un bic couteau. Et franchement, ils ont fait des expériences, et c'est ça que j'avais dit, je pense. Ils capturaient, ils utilisaient le corps de Speakerman, de. Je ne sais pas si de TVman ils pouvaient, mais les gars, j'ai une petite théorie. De caméraman pour faire des expériences, et là on le voit bien, ils ont, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais les spider cameraman, ceux qui tirent, ils ont un bras, les gars, ils ont des lunettes, si je ne me trompe pas. Donc oui, les scientifiques faisaient bel et bien des expériences, et c'est en fait, c'est grâce à lui que la plupart du temps, ils avaient des counters, ils avaient des lunettes, les casques et tout. Bon, pas trop difficile à faire, mais vous avez compris. Et donc là, on voit que Dafoukboum a vraiment quelque chose dans le lore. Moi, j'avais un pote, il me disait que Dafoukboum, il était important dans le lore. Moi, j'étais en mode Dafoukboum, non, il n'est pas vraiment important, mais si, Dafoukboum est important dans le lore. Il s'est mis dans son lore à lui. On espère qu'il le fasse bien, qu'il le fasse pas mal, parce que sinon, ça va tout casser. Là, il y a quelque chose de. Je ne sais pas décrire. Je sais pas quoi. Si jamais quelqu'un sait me dire en commentaire, ce serait vraiment sympa. On n'est pas. Je pense qu'on ne serait pas décrire comme ça. Je pense qu'on va pouvoir décrire. Donc, déjà, il est marqué Skibidi, Skibidi. Ok, donc c'est assez bizarre. Attendez, juste, je vais revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas le scientifique là? Alors voilà. Non, on voit pas le scientifique. Alors si je me trompe pas, lui on avait dû le voir dans Cerise Under Laboratoire. Ok, c'est pas un laboratoire. J'avais raison les gars, c'était un laboratoire humain. J'avais dit dans l'épisode où on rencontrait Michael Jackson, j'avais dit que c'était humain. Donc j'ai bel et bien raison. Le 2 du 7 1979, 99, on voit qu'il serre la main. Je pense qu'on avait déjà dû voir ce type-là en mode Skibidi Toilette. Est-ce qu'ils ont fait des expériences? Je sais pas. Franchement, dites-moi vos théories. Et donc, Alpha is Lab Get New Administrator. Donc, c'est un administrateur. Donc, Dafoukboum, il est grand par contre. Il est grand. Il veut s'imposer dans son lore, on le voit. Il est grand, les gars, mais il sait des trucs. Il sait des trucs. Est-ce qu'ils ont, ils auraient pas fait des, est-ce qu'ils auraient fait des expériences? Avec des toilettes, bon, j'aurais pas vu, je vois pas le but. Est-ce que ça a mal tourné? Il y a moyen. Et là, on voit les gars, que les TV-man, les gars, ils sont bad anciens. Regardez le livre, no joke, le livre. Genre, regardez comment ils montent. Ça prouve que les TV-man, ils en savent plus, les gars. Voilà, ils laissent croire. Les TV-man aussi, ils sont vieux. Et là, on a le retour du Silent. Je sais pas s'il se prononce comme ça, mais là, il a une TV, donc, les gars, franchement, sympa de le voir. On l'avait perdu pendant un moment. Bon, là, c'est pas intéressant. Mais il le tue. Après, ils prennent du stuff. Mais je pense que le plus intéressant, c'est ça. Moi, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que les TV-man, les gars, ils sont vraiment vieux, vieux, ou je sais pas comment expliquer ça. Franchement, hâte de voir vos théories en commentaire. Franchement, je vais éviter de dire des théories maintenant. Parce que je pense que je vais vite me perdre. Mais de ce que je dois comprendre, je pense que, les gars, pour moi, le scientifique et le G-Man, c'est peut-être des scientifiques avant, je sais pas, ils ont voulu faire un truc. Alors ça paraît un petit peu bizarre, parce que quand tu regardes les débuts, bon, après, le début des Skibidi Toilettes, c'est pas le même. Genre, au début, c'est du même, donc t'en fous un petit peu du lore, mais quand tu vois au début, ils arrivent par les airs et tout, tu vois qu'ils captent la ville, alors que là, les gars, de ce qu'on doit comprendre, c'est des humains et tout avant. C'est un petit peu spécial, les gars. Moi, j'étais pas pour la théorie que c'était des humains. Je pensais plus que c'était une race extraterrestre, mais de ce qu'on doit comprendre, c'est bel et bien des humains. Franchement, j'ai hâte de voir vos théories en commentaire, les gars. Mettez vos théories en commentaire, voilà. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On va se couper pour ça, les gars. Peut-être que je ferai une vidéo théorie à voir. Déjà, comme j'ai dit, j'ai d'autres vidéos à tourner, les gars. J'ai énormément de vidéos à faire en montage, donc excusez-moi, mais je pense que une vidéo théorie, ça n'arrivera pas pour maintenant.